bien des brochettes en argenté. Taille des bords en pointe. Les lances sont prêtes pour le combat. Wonder Woman est une Amazone née sur une île lointaine. Elle a pratiqué sa technique pendant des années et des années, en se battant contre d'autres Amazones. Diana, tu es ma fille, mais je vais pas te faire de cadeau. Elle doit suivre un entraînement rigoureux. Yes. Mais l'élève finit par devenir meilleur que son maître. Les cheveux de ce gars sont tout emmêlés. Oh, c'est du chewing-gum? Il lui faut une coupe de cheveux immédiatement. Coiffe ses cheveux comme ceci. Il a mis un pantalon en simili-cuir. Bim! Et il a un haut assorti. Complète son look avec un manteau. Enfile-le par-dessus les longues manches. Un col vert retourné, des manchettes et des bandes dorées. Oh, on dirait Loki! Il est comme d'hab. Classe et élégant. Notre héros sort d'Asgard en passant par le pont arc-en-ciel et descend sur Terre dans un rayon de lumière. Je vous entends pas! Où sont mes applaudissements? Prosternez-vous devant moi! Mais il a pas de chance. L'endroit est vide. Ça craint! Je vais chercher des gens. Ils vont devoir commencer à faire la queue pour rencontrer Loki en personne. Wonder Woman a décidé de remplacer sa tenue d'Amazon par un costume de super-héros. Découpe un corset. Une jupe bleue avec des endroits pailletés complète parfaitement son ensemble. Good. Et des rubans dorés pour un corset. Il y a la lettre W sur sa ceinture dorée. Des gants argentés protègent ses bras. Et ses grandes bottes en papier mousse avec une semelle dorée sont vachement mieux. Oh yeah. Diana a reçu un signal. Il y a des criminels en ville. Elle doit y mettre un terme. Quelqu'un vole, mais qui? Ce vagabond a pris des légumes. Monsieur, vous comptez payer pour ça? Oh, tu sors d'où, toi? J'ai toujours les voleurs à l'œil. Compris? Oups. Le vagabond eut peur et s'enfuit. Et voici Harley Quinn avec des sacs plutôt suspects. Hey! Bouge, je suis pressée! C'est sûr? J'entends l'alarme de la banque. Ça, c'est mon problème. Pas question. T'es le problème de la police maintenant. Et Wonder Woman va laisser Harley accrochée au lasso en attendant la police. Il y a tellement de pierres de l'infini ici. Rien qu'une seule de ces pierres permet à son propriétaire de contrôler l'univers. Celle-ci vit dans un cube appelé le Tesseract. La pierre a été préservée dans la grotte d'Odin pendant tout ce temps, cachée de tous. Mais l'intuition de Loki lui dit de venir jusqu'ici. Oh waouh, j'ai de la chance! Viens par ici, le Tesseract. Maintenant, je peux aller dans n'importe quel endroit de l'univers. Je suis si puissant! Tesseract, emmène-moi dans le désert. Je veux visiter les endroits les plus chauds de la Terre. Et Loki passa dans le portail interspatial. Après un petit moment de voyage dans l'espace, il arriva dans le désert. Un chameau? Pas mal! La pierre de l'infini fonctionne vraiment! Bim! Wow. Un modèle d'aile est apparu. Découplé. Assemble des plumes faites de papier mousse texturé. Ces ailes dorées transporteront Diana haut dans les nuages. Fais des bretelles en fil de fer. Voler dans le ciel, c'est facile quand on a des ailes. Notre héroïne profite de son jour de congé. Sa série préférée, des chips et un canapé douillet. Il te faut quoi de plus pour te détendre? Mais ça ne durera pas longtemps. Danger! Les chips sont tombés par terre! Pas le temps de les ramasser! L'humanité est en danger! Wonder Woman sort immédiatement ses ailes. Et elle enfile son armure de super-héros. J'arrive! Il s'est passé quoi? Une fille appelle à l'aide dans le parc. Oh, mademoiselle! Mon chaton a grimpé dans l'arbre et il est coincé maintenant! Il a peur de descendre.
Wonder Woman s'envola vers la plus haute branche de l'arbre. Le chaton est sauvé. Fais attention, bébé. Merci, t'es mon héroïne. Fais un casque avec un ruban doré. Ajoute des cornes. Il a l'air effrayant. Loki est fièrement assis sur son trône. Une fois que Loki a mis son casque à cornes, le pouvoir commença à lui monter à la tête. Je t'ordonne de me donner la pierre de l'infini. Un plateau entier de pierres se présenta devant lui. C'est pas ça du tout. Mes serviteurs sont inutiles. Peut-être que je peux trouver la bonne dans ces perles-là. Va-t'en! Il me faut la bonne! Il finit par obtenir la précieuse pierre de l'infini. Oh oui! On va pouvoir faire tant de choses ensemble! Pétris de la pâte à modeler et fais un support pour une pierre. Il y a des spéciales parmi les cristaux. C'est celles qui détiennent un pouvoir. La base est recouverte de mousse sauvage. Il vaut mieux qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Notre amie archéologue a été choquée par sa récente découverte. Du coup, elle appela Wonder Woman. Viens au musée, c'est urgent! Oh génial, t'es là! Écoute, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait changer le monde. Ah bon, c'est quoi? Encore des os? J'ai l'habitude de tes histoires, tu sais. Pas cette fois, regarde! Une pierre à souhait? Ça doit être une fosse. Et c'est par toi-même, ok? Je veux trouver le véritable amour. Bonne chance! Diana revint en ville. Elle fit tomber la pierre au sol, mais un jeune homme l'aida à la ramasser. Diana regarda Loki et fut figée. Son cœur battait à 100 à l'heure, tout comme celui de Loki. Il se téléporta en un clin d'œil et revint avec un bouquet. Waouh, quelle surprise! Le couple décida de se retrouver le lendemain. Forme un grand portail. Enveloppe-le dans une guirlande lumineuse. Les LED sont recouvertes de tulle pailletée. C'est le vrai chaos au centre du portail. On va traverser les univers! La ville était paisible. Jusqu'à ce que Loki apparaisse. Tu peux oublier la vie tranquille avec ce gars-là. Humain, prenez garde! Je suis votre nouveau souverain, Loki! En utilisant son pouvoir, il se mit à créer le chaos autour de lui. Les rues tranquilles furent recouvertes de fumée et de poussière. Mais la police était déjà à sa poursuite. Au nom de la police intergalactique, t'es en état d'arrestation? Comment oses-tu? Tu sais qui je suis? Ouais, on sait. Donc ça va encore plus chauffer pour toi. Viens avec moi. Fais des outils archéologiques avec des cure-dents et des perles. Déco, vieux pinceaux, tout sera utile. Le petit kit d'archéologie est prêt. On va le ranger dans un étui. Wonder Woman est allée dans le désert. Ça doit être quelque part par ici. C'est plus facile d'atteindre son but que de manipuler ses outils archéologiques. Bien. Elle se mit à creuser, à taper avec sa pioche et à dépoussiérer les pierres avec son pinceau. Soudain, elle remarqua quelque chose dans le sable. Une pierre! Si c'est ça, doit y avoir le reste ici. Mes yeux! Oh, sacrée trouvaille! La couronne de l'Atlantide! Je suis vraiment contente d'être archéologue. Ajoute une bordure dorée sur un cordon noir. Joins des perles rouges et fixe-les au centre d'un collier. C'est les mesures de sécurité pour garder les prisonniers intergalactiques. Faut pas baisser la garde. Tu dois passer sous le détecteur. Ça nous montrera si t'es un robot ou un humain. Okay. Quand Loki passa sous le détecteur, sa tenue fut remplacée par un uniforme de prison. Maintenant, mets ton collier de contrôle. Puis, ils allèrent dans un bureau. Alors, Loki, prêt à avouer? J'ai rien fait d'illégal! Ça doit être une erreur! T'essaies de t'échapper? Pas avec ce collier! Un bouton fit revenir Loki à sa place. Là, regarde ce que t'as fait!
Les caméras ont tout filmé. Oups. Ah bon? C'est vraiment moi? J'ai vraiment honte. C'est toi, oui. Tu avoues? J'avoue, oui, j'ai eu tort. Tu veux bien m'accepter comme étant un type bien maintenant? Je veux tout arranger. On pense que tu peux nous aider. Bien joué!